Aujourd'hui, l'association Arrêt-Image est allée à la rencontre de plusieurs Campinois afin de discuter avec eux de la mission locale. Connaissez-vous la mission locale ? Non. Du tout ? Oui, je connais bien la mission locale de Champigny. Non. Du tout. Ouais, j'ai déjà apporté quelques fois. Oui, je connais la mission locale parce que je les ai sollicités il y a une époque. Non, vous allez me donner je connais un petit peu, mais pas trop. Je connais de noms comme ça, une association qui aide les jeunes pour trouver un emploi, mais... Seulement les jeunes ? Je pense, je sais pas du tout. D'accord. Ça doit être comme une association et vous pouvez proposer peut-être des aides dans le domaine de l'éducatif, peut-être de la santé, sportif, c'est en réseau avec la mairie, voilà. Qu'est-ce qu'une mission locale ? La mission locale est un lieu d'accueil et d'écoute des jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Ils assurent l'information, l'orientation, le suivi social et professionnel des jeunes publics confrontés aux difficultés d'insertion. La mission locale, c'est un centre d'aide pour les jeunes, qui peut les mettre en relation avec le monde du travail, avec le monde des entreprises, qui peut les aider un petit peu à concrétiser leurs projets professionnels et leurs projets de vie. Il s'agit là de la théorie, mais en pratique, le fait-elle vraiment ? Ça dépend. Des fois ils aident, des fois ils aident pas en fait. Mais ils ont, en général, ils ont des bons projets, ça va. Ils ont des bons... Ils aident, ça va. En vrai, ils aident. Pour ton expérience, ils t'ont aidé ou pas ? Moi, au début, ils m'ont aidé un peu, tu vois. Pour le permis, en fait, je voulais passer le permis, tout ça. Et j'ai vu que ça galérait un peu, je l'ai passé moi-même. Mais ils donnent des fonds pour le permis, pour du travail, pour des formations, tout ça, ils aident un peu, ça va. Quand on était petit, on avait déjà des grandes personnes qui nous disaient aller faire un tour pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer. On est parti 2-3 fois. À l'époque, c'était pas bien mené, il n'y avait pas assez d'animateurs, d'accompagnement. À l'heure d'aujourd'hui, ça a évolué. Il y a un peu plus d'accompagnement, mais il manque toujours du budget parce qu'il y a plus de jeunes qui demandent de l'aide. Et c'est vrai qu'ils m'ont aidé à faire des CV, des choses comme ça, mais de là à dire qu'ils m'ont amené vers un travail, non. Non. Il m'avait juste aidé, mais j'aurais pu le faire au pitch, quoi. Donc c'était plutôt les CV. Et puis ils nous donne à l'époque quelques adresses, et puis c'est tout. Et si on avait besoin de téléphoner, on pouvait aller les voir, mais c'est ce qu'on trouve exactement au pitch. Quoi. Donc, beaucoup de chômeurs quand même. Hein. Il y en a quelques rares qui réussissent à trouver un taf, mais sinon il y a beaucoup de chômeurs dans les 16-25. Moi personnellement, j'ai eu recours à la mission locale pour commencer mes premiers stages dans la danse. Et ça a été un bon tremplin pour moi parce qu'après ça m'a permis d'en faire mon métier. Donc voilà, aujourd'hui je suis prof de danse. J'ai une association et une autre entreprise. Donc voilà. La mission locale vous a aidé dans votre projet professionnel ? Ah oui, tout à fait, c'est en partie grâce à eux. D'ailleurs, je les remercie. Ils m'ont aidé à trouver des lieux de stage dans un premier temps. Ensuite, y a eu quand même un suivi, c'est-à-dire que j'étais quand même contactée régulièrement pour connaître l'évolution de mon projet. Et puis quand j'avais besoin de leur service, à savoir faire des CV ou même envoyer des mails, ils étaient là. Particulièrement moi, ils m'ont aidé. Et voilà, hein. Allez, c'est tout. Je prends un billet à la mairie, tout ça, dans la cantine, tout ça, ça se passe. Après voilà, il faut aller, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis déjà en fait parti à la mission locale, mais moi, ils ne m'ont jamais retrouvé en fait. Ils ne faisaient que de me donner des rendez-vous, sans plus. Voilà, c'est quoi ta branche, qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, franchement, j'avais pas d'idée précise à la base. Quand je suis parti les voir, je leur ai dit n'importe quoi, tant que je trouvais un truc à faire. J'ai rien trouvé. On a une mission locale dans la cité, ça sert à rien du tout. J'ai été plusieurs fois, j'ai eu au moins 6 rendez-vous, c'est que des rendez-vous de ce rendez-vous. Ça aboutit jamais à rien. Si l'aide de la mission locale serait plus sérieuse, je pense que tout le monde il aurait un petit boulot à chercher. C'est bien beau de dire notre faute, mais nous on a envie. Hein. On a envie d'avoir une vie normale. Travailler, logement, si c'est possible, emploi, tout se base d'une vie normale. Ils proposent des formations, ça veut dire toi pendant un an tu vas faire des formations et t'es pas payé. Nous en fait c'est ce qu'on veut, on refuse pas de travailler. Mais ramène-nous un contrat, on signe, on respecte. Fin du mois, tu nous payes. Il n'y a pas de monde à aller faire 6 mois des stages, formation, je sais pas quoi avant de. Le départ, c'est à la maison. C'est un délire ou pas ? Ah ouais. Le petit, il va à l'école, c'est dur à la maison. C'est dur. Tu vois. Il faut un petit truc pour la fin du mois, pour qu'il arrive à s'en sortir. Il va à sa formation, il veut bien se payer une petite canette à midi.
Ah ouais. Ses parents ne peuvent pas lui passer la canette. Tu vois le délire ou pas? Ça veut dire ce petit-là à la formation, je dis que sa mère, il fait plus à la formation. Et dans la cité, ça serait une bonne idée, hein. Voilà, il y a plein de gens, moi je suis là, je peux t'aider, moi j'ai 19 ans. T'as vu, ma vie elle va commencer. Je vais pas te dire je sais pas quoi. J'ai toujours pas trouvé de travail, mais je peux me lever demain, je peux le prouver. C'est juste histoire d'un mois, tu vois. Mais vas-y, c'est chaud, voilà. Regarde, toi tu travailles même pas, toi tu travailles même pas à l'admission locale, mais t'arrives à embaucher des gars. Personnellement, de la cité et tout. Si tu mets des jeunes, si tu mets y a des gars là comme personnellement, si Adel, à l'admission locale, si tu mets des gens comme vous, des jeunes du quartier, sur le corps, les petits, ça va donner plus, plus d'envie d'aller. Leur trouver un boulot, tous les jours, le corps ils vont dire il y a un truc, tu vois, viens on y va à deux, tout ça. Plus, mais si, à l'admission locale, tu prends des rendez-vous. Ils sont bons qu'à donner des rendez-vous, tu vois, pour prendre des rendez-vous, c'est tout. Voilà. Ça nous motive même pas un peu carrément. Après, ils nous donnent des rendez-vous, c'est long, on n'y va pas. En fait, tellement on n'a pas le choix là, c'est juste tellement, vas-y, on va trouver juste un taf pour s'en sortir, mais sinon, pas de réelles attentes. Hein. Sur le cadre, c'est pas trop ça. Franchement, je suis jamais allé et je pense pas que j'irai. Pourquoi? Tu vois, si demain j'ai besoin de travail, je vais plus tu vois, être sur les pistons, être sur la famille. Et me débrouiller moi-même, tu vois. C'est pas la mission locale que je vais aller voir. Et surtout, je pense, je le dis pas malement, tu vois, mais on se connaît. On sait, ils savent qu'on est Bois Labbé, voilà. Ils savent comment les jeunes du Bois Labbé ils sont. Ils savent que demain, je vais aller à la mission locale, que j'ai grandi au Bois Labbé. Ils vont se dire, vas-y, lui, ça doit être un jeune. Tu penses qu'ils n'aident pas les jeunes réellement? Je pense pas, non. Les jeunes comme nous, je pense pas. Franchement, je pense pas. Tu penses qu'il devrait s'impliquer sur le Bois Labbé, etc. Bah ouais. Parce qu'après, il faut arrêter de croire que, vas-y, les gens, on va leur dire Bois Labbé ou même d'autres cités, ils vont se dire, vas-y, ça doit être des cons. Ils ont pas d'avenir. Ils veulent rester en bas des blocs. Mais non. Réellement. Qui viennent dans les cités, qui viennent faire un tour dans les cités, qui viennent voir comment ça se passe, comment les jeunes y sont, et plus se rapprocher des jeunes en fait. À travers ce petit reportage, nous avons donc pu voir que la mission locale accueillait des jeunes et cherchait à les aider, bien que les avis fussent partagés. Certains individus étaient aidés, d'autres non. Pourquoi ? Pourquoi la mission locale ne peut-elle pas aider tout le monde ?